him like a giant. À Chartburze, tu ne prendras pas ce fort. L'homme vient prendre le fort. L'homme se prend pour un héros. L'homme a raison. Héros Mordor, héros meurt. Je crois qu'il a fini de causer. Ou peut-être qu'il reprend son souffle. Capturons un deuxième fort, comme le fit le Seigneur de Lumière. Ce que tu m'as fait subir. Mais il n'est pas question que je te laisse t'emparer de ce fort. Thank you.
Préparez-vous à mourir ici.
vos ordres. Des plus grands moments de l'histoire du Mordor. Sur ce champ de bataille, tu vas pouvoir mourir vaillamment. Chef suprême jusqu'à la mort. Mais t'as même pas réussi à t'approcher de lui, hein? Parfois, j'oublie pourquoi je me bats. Non, n'oublie jamais. Nous avons un but. Ne te perds pas dans les batailles. Tu as une guerre à gagner.
Sharpie. Le voilà. Je vais donner l'alerte. Allumez le feu. Ce chef de guerre fait confiance à son système d'alarme. S'il se déclenche, il viendra là où nous l'attendons. Je n'ai jamais vu Dwarg, mais les livres et les chasseurs m'ont beaucoup appris. Les gobelins du Nord les montent comme les hommes du Rohan montent leurs chevaux. Leurs hurlements s'entendent à des lieues à la ronde, et leurs sens sont assez développés pour traquer un rôdeur. Mais ce qui les rend si terrifiants, c'est qu'ils chassent en meute d'au moins une douzaine d'individus. Les Karagors sont plus dangereux, mais ils se déplacent en plus petits groupes, ce qui n'est qu'une maigre consolation. Les Wargs. Heureusement qu'il n'y en a pas au Mordor. Même une meute d'Wargs aurait du mal à survivre ici. Thank you.
On dirait que quelqu'un ici a envie de jouer. Ah, ça tombe vraiment bien, parce que j'ai un petit jeu pour toi et moi. Qui n'aime pas la modération. Oui, crois-moi, c'est le début d'une grande aventure passionnante pour toi et pour moi. Plongeons-nous donc dans la folie et voyons qui survit au voyage. Non, non, non! Dis adieu à ta monture. Et bonjour à la bête la plus sauvage du Mordor, moi! T'entends ça? Non? C'est parce qu'il n'y a rien à entendre. Ces orques ne veulent pas parler. Ils veulent seulement te tuer. Non, non! Yeah!
c'est très embarrassant. Je vais jouer le jeu comme n'importe qui, mais je voulais absolument gagner. Si tu imagines me décapiter avec ton épée, je te conseille d'envisager une autre solution.
Saigner ces globes et leur capitaine, voilà ma tâche. Oui, c'est une tâche difficile. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Celui-là, seigneur, il y a quelqu'un. Un cargo! Je ne souillerai pas ma lame avec ton sang de lâche. Regarde si j'ai... Grisha. Ces orques bellicistes s'entraînent sans relâche au combat. Quand on passe sa journée à s'entraîner, une musique calme est bienvenue. C'est de tuer les vermines d'humains comme toi. Non, ça devient trop ingérable. Tu paieras la prochaine fois. Reste-moi. Renie ton maître et obéis-moi. Je sers le Seigneur de Lumière. Appelez-moi le Bachat.
Je suis le héros des ténèbres, et les ténèbres te veulent. Je vais te fermer les yeux, et tu ne les ouvriras plus jamais. Encore une fois, je vais devoir envoyer un de mes Gourkars après toi. Donc tu me liquides, ah, pitoyable. Hmm.
J'ai fait le compte de tout ce qu'on a là. Alors je vous déconseille fortement de mettre les mains dedans. À moins que vous vouliez que je vous en tranche une. Ce qui est à eux sera bientôt à nous. Vous savez quoi faire s'ils cherchent à résister. Enfin ! Carge ! Je sais, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai dit qu'on était quitte, mais je t'ai menti. J'aurais dû te tuer à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait, alors je vais devoir te tuer maintenant. Explose pour moi! Les fils d'Hortense ont demandé ta présence à un banquet. En ton honneur, il me revient en tant que membre le plus récent de t'escorter là-bas. De préférence en vie, mais ton cadavre sera aussi acceptable. Disons que les goûts de notre association sont particuliers. J'en veux plus, beaucoup plus. Fais-moi vivre un supplice. J'en ai besoin.
Ismos. Ismos. Venu à ramasser les morceaux. Tiens, tu vas voir. Tu as eu ce que tu voulais. Encore un Uruk mort de tes mains. C'est toi le vrai monstre. Tu nous soumets. Tu nous envoies nous sacrifier pour toi. Un jour, tu paieras pour tes actes.
L'alarme n'est finalement qu'un appel au secours. Un cri de terreur. Je connais quelqu'un qui va bientôt finir à terre. Quel ourou qui se dressera entre nous. On verra qui se videra de son sang premier. Qui va te défendre alors ? Criez !